Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Extinction Chronicle. Donc les loulous, comme dans les épisodes précédents, on va voir ensemble les emplacements des nouvelles notes d'explorateurs, donc les trois nouvelles avant la sortie d'Extinction, les trois dernières surtout. Le nouveau Dinotech avec une petite surprise parce qu'on ne s'attendait pas forcément à celui-là par rapport à ce qui était annoncé. Je vais vous montrer aussi l'œuf. Je vous rappelle d'ailleurs que par rapport à toutes ces infos, on récupère un level supplémentaire pour nos personnages et nos dinos à prendre. Il y a aussi des nouvelles couleurs d'event. Donc pour cet event, ils ont mis 5 couleurs différentes, donc ça fait vraiment beaucoup. Alors je sais pas ce que ça donnera, mais on a le noir, le rouge, le vert, le violet ou purple. C'est le violet, hein, et le blanc. Voilà, donc ça fait beaucoup. Et bien sûr, on récupérera à la fin des trois notes d'explorateur le cinquième et dernier skin de la tenue Extinction qu'on découvrira ensemble. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Donc, au niveau déjà du dinosaure, ce n'est pas le Triceratops comme beaucoup l'ont annoncé et ceux qui avaient farfouillé dans les fichiers du jeu nous disaient, mais c'est le Quetzaltech, donc le Tech Quetzal, qui pour ma part, je le trouve superbe. Superbe avec ce qu'ils ont fait au niveau des ailes. Il est vraiment magnifique. Alors en plus là il est sorti vraiment dans des belles couleurs. Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'il y a le soleil. Donc voilà un peu la bête. Alors toujours le même principe. Hein. Alors sur serveur officiel réglé en difficulté 1, vous pouvez en trouver des sauvages jusqu'au level 180 max. Donc c'est un beau moyen de récupérer de sacrés bestioles à nouveau. Puis il est vraiment magnifique. Hein. Je peux vous le montrer un peu en vol. Voilà, après il n'y a rien qui change hein, au niveau de sa vitesse, de ses stats, tout ça. Mais voilà un peu la bête. Ensuite les loulous, l'œuf qui va avec. Alors j'ai trouvé que le code de l'œuf fertilisé, hein, mais c'est la même chose. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Et une fois qu'il est au sol, il vient de despawn parce que certainement je l'ai peut-être gardé trop longtemps. Alors un œuf de Quetzal 35-150, où est-ce qu'il est cet œuf? Je crois que c'est ça. Alors non, il bug. Du coup je pourrais pas vous le montrer, alors j'en suis désolé. Sur le wiki du jeu, le code, il n'y a que le code du fertilisé. Je vais revérifier vite fait, mais je pense pas que j'arrive à trouver autre chose, à moins qu'ils aient mis la fiche à jour. C'est toujours le fertilisé. Il n'y a pas le... Ah, je peux peut-être essayer celui-là. Voyons voir. Ah si, voilà, c'est anormal. C'est moi qui m'étais trompé de ligne en fait, les loulous. Et donc voilà le bestiau. Alors pareil, hein, toujours aussi stylé les œufs tech. Donc c'est franchement c'est plutôt cool. Ils ont fait vraiment du bon boulot pour cette dernière Extinction Chronicle. Et je vais vous montrer du coup la note. Alors ils l'ont mis encore en bordure de falaise. Donc on va faire un petit cheat walk. Voilà, elle est là. Le cheat fly, je veux dire. Hop. On va remettre un walk, ça me servira après. Donc voilà la dernière note
pour The Island, donc c'est la cinquième de la série. C'est, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est la 13e en tout depuis qu'ils sortent ces nouvelles notes. Et on va la découvrir bien sûr ensemble, comme d'habitude. Donc je vais dézoomer un peu, voilà. Hop, donc voilà le premier texte en anglais, version originale. Bien sûr, on fera la lecture avec une traduction en fin de vidéo. Donc voilà. Et voilà. Donc ça, c'était la première, les loulous. J'ai complètement oublié aussi en début de vidéo de vous dire que je vous avais mis, juste après mon intro et avant de démarrer cette présentation avec vous, le nouveau trailer présentant une toute nouvelle créature. Hein. C'est vrai que on a commencé la vidéo par ça. Donc qui est un espèce de paresseux géant. Donc où on voit un peu ses capacités hein, dans ce petit trailer. Donc ils nous ont dévoilé directement en vidéo une des nouvelles créatures qu'il y aura sur Extinction, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et c'est pour ça que je vous l'ai mise en début de vidéo. Vous pourrez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on pourra peut-être faire d'autres avec? Et notamment il y a un moment donné où il nous fait un. Alors je pense que c'est un caca, hein, mais un caca un peu particulier. Et à quoi ça pourra bien servir? Ce sera la surprise bien sûr. Donc les loulous, maintenant on va aller se rendre sur Scorched Shaders. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve de suite pour la suite justement de cette présentation. Alors un petit rush sur The Island les loulous parce que j'ai complètement oublié dans l'histoire de vous montrer quand même l'emplacement et les coordonnées sur la carte. Donc là l'emplacement on est au sud-ouest sur l'île des herbivores. C'est même pas. Non, je dis des bêtises, pardon, c'est pas l'île des herbivores. Mais on est au sud-ouest et on est en 89,2 et 24,4 quand même. C'est assez important pour que ceux qui veulent s'y rendre rapidement et puissent débloquer les skins. Vous n'ayez pas à galérer, c'est aussi un peu le but des vidéos. Voilà, allez, je recoupe et je vous reprends pour la note sur Scorched Earth. A de suite les loulous. Et relé loulous, donc cette fois-ci, on se retrouve sur Scorched Earth pour la note numéro 14, la cinquième de la série pour la map Scorched Earth. Donc vous voyez la note est là, juste en dessous. Au niveau de l'emplacement, on se situe, hop, ici. Voilà. Et puis, on va aller, hop. Comme tout à l'heure, y descendre en fly. Parce qu'ils les ont vraiment mises dans des emplacements où on se pose pas facilement, à part avec un Ptera, bien sûr. Ou un Argent, ou un tapé de girafe, enfin des petits volants, quoi. Hein, ce que je veux dire, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, au niveau des coordonnées, les loulous, on est en 24,3, 29,6. Et on va regarder de suite cette note, donc qui va être la 14e. Voilà, on a vu le petit 14 s'afficher. On dézoome et je vous montre ça. Voilà la note en anglais. Un humain. Toujours une forme de vie extraterrestre. C'est toujours pareil maintenant, on commence à avoir l'habitude. La deuxième partie en anglais. Et puis c'est tout pour celle-ci. Donc là, c'est rapide. Du coup, re-ellipse les loulous pour la troisième et dernière note avant la sortie du DLC. La 15e, celle d'aberration qui sera la 5e de cette map-là. A de suite, les loulous. Et relé loulous, donc ça y est, on se retrouve sur aberration pour la 15e et dernière note. Donc, comme je disais juste avant, la 5e de la map. Donc, on est dans le biome rouge, comme vous pouvez le constater. On est dans une zone radioactive. Donc, avec tout ce que ça inclut, si vous voulez y venir, soit avec des codes admin Infinity Stat et God ou alors avec une tenue anti-radiation si vous voulez la faire normalement. Donc les loulous, la note elle est en face de nous. Voilà, elle est là-bas. Sur la map, ça donne ceci l'emplacement. Voilà. Et puis on va faire comme tout à l'heure, un petit fly pour aller se la dévoiler. Les deux dernières, ils les ont vraiment mis dans le biome rouge, hein, le biome le plus, on va dire, dangereux hein, d'aberration. On y va tranquillement. Alors bien sûr, sorti de cette note, on fera les traductions et puis je vous présenterai aussi les deux screens qui ont été aussi présentés avec la sortie de cette mise à jour. Comme c'est devenu un peu de coutume. Donc au niveau des coordonnées, on est en 85, 0 et 69, 8. Voilà. Et on déclenche. Ce qui nous donne, comme vous voyez ici, le dernier skin. Et hop, un petit dézoom. Voilà, comme ça vous voyez la première partie de la note. Toujours, vous voyez cet extraterrestre. Peut-être un titan ici avec la ville en premier plan et le titan derrière.
vu sa taille par rapport au bâtiment. Et voilà, survivrez-vous à la fin, on traduira ça après. Voilà les loulous, donc on en a fini avec ces trois nouvelles et ces trois dernières notes d'explorateur, la 13, la 14 et la 15. Ce sont donc la cinquième série pour chacune des maps. Du coup là, je refais une ellipse et on va se retrouver pour la lecture des traductions de ces trois notes et la présentation des deux images qui sont tombées. Donc aujourd'hui, hein, moi je tourne la vidéo le jour même de la mise à jour. On est le 16 octobre et vous aurez peut-être la vidéo sur les coups de 23h minuit aujourd'hui ou sinon demain matin. Voilà, le 17 au matin. Donc je vous reprends pour la traduction, les loulous. À de suite. Et re les loulous, donc décidément, je vais un peu trop vite aujourd'hui. J'ai complètement oublié de vous montrer le dernier skin, en fait, hein, ce que ça donnait sur la paire de gants. Donc voilà, ça y est, on est au complet au niveau du skin. Ce qui nous donne ceci. Voilà, les loulous. Donc on est entièrement habillé avec la corruption d'extinction. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on suppose être, hein, ce rendu-là. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau du perso, au niveau des animes de main, tout ça, tout ça. Voilà, donc cette fois c'est la bonne et on se retrouve pour la suite. Et relais loulou, donc ça y est, on se retrouve pour la traduction des trois nouvelles notes d'explorateur et on va attaquer de suite. Et juste derrière, je vous présenterai les deux nouvelles images où on apprend encore pas mal de choses justement sur ce que on pourra découvrir dans Extinction. Donc c'est parti pour les traductions avec donc la nouvelle note sur The Island. Une fois votre chute terminée, restez à proximité des sanctuaires. À l'intérieur d'eux, de petits postes de vie s'épanouissent encore dans un jardin sinon stérile. Au-delà de leur sphère d'influence, vous trouverez une mer sans fin de délabrement, régie par les ombres et la mort. Le premier de ces sanctuaires est la grande ville. Bien que ce ne soit plus une métropole, une jungle fleurit à sa place et vous pouvez trouver un minimum d'abri dans ces murs en ruine. Les autres vous seront plus familiers, ne serait-ce que pour les tours que vous trouverez en leur centre. Celles-ci sont la source de leur pouvoir, les obélisques. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que vous connaissez, pas aussi avancés, mais il faut s'y attendre, ils sont un ancien modèle, précurseur ou plus précisément prototype. Voilà, donc on va passer à la seconde note qui était sur Scorched Earth, donc la 14e. La cause et l'effet sont la voie de l'univers. Tout doit commencer quelque part. Dans le cas du système, c'est ici qu'il est né. Vous allez tomber dans son berceau. Ensemble, les sanctuaires et les obélisques qui les alimentent sont les ancêtres de toutes les îles flottant dans le ciel. Ils peuvent tous retrouver leur origine dans ce prototype unique. Bien qu'il n'ait pas de vol, les principes fondamentaux et la technologie qui le sous-tend sont les mêmes. D'une certaine manière, cela en fait aussi vos ancêtres. Vous êtes tous nés dans le système après tout. Même si votre design est légèrement modifié, vous en êtes tous les enfants. On pourrait dire que lorsque vous tombez, ce sera une sorte de retour au pays, à plus d'un titre. Et enfin, les loulous, la dernière, la toute dernière, celle d'Aberration. Et ainsi, tout se terminera où il a commencé, la planète, le système, votre espèce et chaque élément de la vie qui habite ce petit coin de l'univers. Tout. Alors peut-être que quelque chose de nouveau va commencer, mais cela dépend de vous et des forces qui s'opposent à vous. Dans la nature, la survie d'une espèce peut se faire aux dépens d'une autre. À mesure que les écosystèmes évoluent, ceux qui s'adaptent plus efficacement peuvent pousser ceux qui sont les plus... Alors... À mesure que les écosystèmes évoluent, ceux qui s'adaptent plus efficacement peuvent pousser ceux qui sont plus faibles qu'eux à l'extinction. L'humanité a déjà fait cela aux habitants de Néandertal et c'est maintenant votre tour. Enfin, face à une menace supérieure, vous et tous vos proches devez répondre à cette question intemporelle: allez-vous survivre? Voilà les loulous. Donc c'était la traduction des trois dernières notes. Du coup maintenant, on va passer à la présentation des screens, des nouveaux screens qui ont été présentés par les développeurs. Et on commence donc avec celui-ci. Donc où on découvre une espèce de vallée avec des surplombs rocheux, peut-être là des ici là des ressources à farmer. Et puis essentiellement deux créatures. Donc ici, ça me fait penser à l'espèce de grand-duc, l'espèce de hibou qu'ils avaient présenté. Alors ça ressemble énormément à un Argentavis, mais on peut voir les deux petites antennes et les petites moustaches qu'il y a ici qui me font penser à cet animal-là.
Et enfin celui-ci qui me... Alors au niveau de la tête me fait penser à l'espèce de serpent, je vous avais présenté ça, un serpent un peu... Un dragon chinois tout allongé, la gueule est exactement la même mais le corps me semble assez différent. Et surtout on voit pas les ailes, enfin en tout cas sur ce screen on voit pas les ailes. Donc est-ce que... Enfin, à moins que ça ce soit un de ces appendices d'ailes, je sais pas trop. Ce bleu là, cette structure bleutée. Donc je pencherai pour ce dragon chinois mais... Là, vu comme il est présenté, bah, ça m'y fait plus penser du tout. Donc, vous me donnerez vos avis. Sinon, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce screen. Bon, on retrouve ces fameuses plantes bizarres là, qui sont peut-être corrompues. Et je pense que ce dinosaure et celui-ci le sont aussi, hein, vu qu'ils sont tout bleutés. Alors, à moins que ce soit la particularité de tous les dinos d'extinction, mais je pense pas, vu que sur le screen d'après, on va voir qu'il y en a qui ont l'air parfaitement sains. Donc justement, le screen suivant. Alors là, il y a plein de choses à dire, les loulous. On y découvre énormément de créatures. D'ailleurs, on va faire des zooms pour les voir un peu mieux. Donc on est dans un environnement un peu différent du précédent. C'est peut-être le même biome, hein, mais agencé différemment. On voit toujours une obélisque ici au fond, qui se reflète d'ailleurs. On la voit mieux dans la flaque d'eau que au loin. Et puis une toute nouvelle créature qui a l'air assez gigantesque ici, qui ressemble à une raie manta, mais volante. Donc voilà. Ensuite, on retrouve ici un Spino, ici un Rex, ici un Triceratops, ici un Calicotherium ou un buveur de bière, ici un Brontosaure qui a l'air lui parfaitement sain, ici on a un Stégosaure. Alors on va zoomer parce qu'il y a encore deux créatures ici et une ici, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Donc par contre, pour avoir le zoom. Pourquoi j'ai pas la molette? Je vais devoir rétrécir l'image. Voilà. Donc on va commencer par celle à droite. Donc on voit bien le Spino, le Rex. Hein. Donc je pense qu'ici, vu la taille et un peu la forme, je pense à un Paracère. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Donc on voit bien ici le trike. Hein. Le Bronto parfaitement sain. Et ces deux créatures. Donc ici on a, en zoomant, on voit bien que c'est un Terry. Et ici, alors là, je sais pas. Est-ce que c'est un Gazbag? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Ce sera à voir. Là, franchement, j'ai pas d'idée. Et puis, on a bien ici notre Calicotherium. Et on va finir en zoomant sur cette nouvelle créature. Alors, est-ce que ce sera un titan? Est-ce que ce sera autre chose? Est-ce que ce sera juste de la déco? Ça, on verra bien, les loulous. Je vous laisse vous faire. Je vous laisse me faire, pardon, les retours que vous estimez devoir faire sur ces deux screens, sur cette dernière présentation, aussi sur le trailer qui présente ce paresseux géant. Et puis bah j'attends vos retours et on en discutera dans les commentaires. Donc du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les loups. Et puis bien sûr je vous dis à la prochaine et certainement bah, sur Extinction pour de nouvelles aventures sur un serveur tout neuf avec pas mal de monde dessus, enfin un peu plus que d'habitude. Et puis pour découvrir ce DLC qui s'annonce à la fois, je suis impatient de le découvrir, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont pu nous faire et j'espère ne pas être déçu surtout. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt les loulous.